Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction d'aujourd'hui, nous allons réagir sur l'actualité de ce samedi. Il y avait la marche de l'opposition à Kinshasa et sur toute l'étendue de la République, disons dans certains grands capitales des provinces. Il y a eu l'opposition qui a marché et ici nous voulons, je voulais justement vous venir avec ma petite réflexion sur effectivement cette marche-là et quel était le but de cette marche. Bon, en lisant le communiqué dans l'appel déjà au courant de la semaine passée où l'opposition demandait justement à ce qu'ils puissent se mobiliser pour marcher contre l'invasion ou bien l'histoire du Rwanda qui est en train de nous envahir et tout ça. Ça, c'était bien le but de cette marche. Une lettre de demande à cette marche a été déposée à l'hôtel de ville de Kinshasa, que toutefois, tout directement... il n'y a pas eu d'opposition pour donner l'autorisation à cette grande marche de ce samedi le 11. Ça a été agréé, donc le gouvernement en place a vu mieux qu'il était à sa faveur, donc il ne s'était pas opposé. Bandeko, totalement, moi, eloko moko. Moi, je me dis, est-ce que l'opposition vraiment... avait raison de faire cette marche là ngai nazo scanisa ndembo zo tanga na titre que opposition ekoti na poche ya nani ou bien étape mabe parce que ils ne comprennent pas finalement bazo réclamer pas nani à la communauté internationale bazo réclamer pas nani pas gouvernement. Moi je ne sais pas si il visait qui. Ils vont marcher comme ça contre l'agression. Et leur mémorandum, ils devraient le déposer chez qui? Auprès de qui? N'habite ce qui. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être que moi, Ngai Ndem Tunaza Kokanisamabe, mais moi, je pense que ça n'a pas sa raison d'être. Et ça n'a raison d'être Nangote. Si vous vous opposez au gouvernement, vous devriez demander au gouvernement dire que voici, nous nous opposons. À cause que cette agression, vous n'êtes pas capable ya kosilisa makambo eza na Goma. Voici la solution dont nous proposons. Ce qui bolobi que non, enfin, moi je ne sais pas quel est le target. Qui est-ce que on visait na katia ba marche wana? C'est bien de se réunir dans l'opposition tous à l'ensemble pour to réclamer agression, ils dénonçaient une agression, ou bien, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je me posais la question lorsque Namona Kike Batwaza qu'on s'est mobilisé, que non, on va marcher. On demandait même au président de la République de se joindre à cette marche-là pour manifester contre l'évasion ou bien l'agression de notre pays par le Rwanda. Mais, Bandeko. Tozong sanan makanisi biso tuto réfléchir tozo fistiger nani awa totamboli poto yebisa nani communauté internationale de mtu tindi Rwanda ya ko agresser biso ou bien tozo senga ba sanction na Rwanda o azo ko agresser biso pendant ce temps là to kanisa nanu bandeko. Tozolo ba ke Rwanda za ko agresser biso pendant que Rwanda ambassade na eza ouvert. Ba frontière na biso na Rwanda ezali nango normal. Ba to opposition en tout cas ngai na oka kimwa soni. Pardon, ngai na oka kimwa soni bandeko. Nobi me ba opposition na biso komi wapi bandeko. Ngana kanisa ki ke non, boko exiger que non ndenge Rwanda za ko agresser biso tokanga bisaka ba Rwandais et pas na biso to loba bon, vous êtes maintenant nos ennemis. Parce que eloko na ndepeza ko pesa doute na communauté internationale. Ba frontière na biso na Rwanda nyoso eza nango. Ambassade ya Rwanda na epa na biso eza nango ezo sala nango misala bato bakenda kuna bazwaka ba visa bakenda ka Rwanda tout ça. Donc moi je ne sais pas toza wapi. Tant tozo senga marche wana toza wapi. C'est comme ça que moi je vous pose la question bandeko nangai. Vous qui êtes abonné sur Contact Pro Life. D'ailleurs, bato baza awa soki olandinga pour la première fois,
abonnez-vous d'abord. Ou bien tikana moi commentaire. Naebi ke place aux alliés aux omituno lobby mais Germain Lingo lobanini. Non, moi je suis sidéré par notre position. Toko réclamer pas nani que no bazo agresser biso. Et Rwanda ndem tozo agresser biso pendant que nos relations diplomatiques avec le Rwanda est au beau fixe. Semaine passée na lobeli likambo que nombre président Azako kokomeka ko négocier na M23 po makambo na Rwanda kuna. Je crois que le président de la République a se trouvé il se trouve à quelque chose aza na solution sous-souté. Pourquoi aza na solution te parce que tout le monde veut à ce que nous puissions avoir plus avec des toza la nanani na contact le sous-souté nanani na M23 wana parce que M23 za backup nanani na Rwanda. Ba tu balingi sous négociation wana te. Et moi j'ai dit hier na émission na nga live na lobby oui to boy négociation wana. Pourquoi to komi wana? Parce que nous pensons que Rwanda est trahir biso en soutenant le M23. Mais biso est-ce que Rwanda ne mutezo agresser biso? Qu'est-ce que nous faisons en interne pour que tosi lisali kambona total na miso tolobi soki eza Rwanda te soki eza batwa te quelle est notre part pour na kosilisa likamboyo? Faut-il négocier avec les Rwandais? Parce que nous avions choisi à ce que token de négocier na Rwanda. Maintenant communauté internationale lobby te bon négocier na Rwanda te. Atabo lobby na Rwanda M23 za ya bino kuna boke de koluka ba problème ba solution pas na bino moko. C'est ça la communauté internationale bazo tindi kabiso ba bité za likambo a Rwanda te. La communauté internationale n'a jamais condamné le Rwanda ouvertement ata toza koloba boye. Ata ba condamné Rwanda est-ce que bosi boyoka ke no ba ko sanctionner Rwanda tout ça. Ata ba sanctionner Rwanda nous avons encore la grande part ya problème eze pa na biso. C'est comme ça que moi j'ai dit marche wana ya lobby ezalaki na ngo na ti na mon côté. Et moi je ne vois aucun retombé o eko uta opposition et ça li marche. Et adresser l'icamone pas nani. Non bandeko, moi je pense que l'opposition pour l'instant tokokai kokanisa makambo ya kosala kokani ya kokosala pona kosilisa makambo na ya est wana tokosa. Il faut que nous puissions trouver une solution. To trouver solution na président na biso akoloba bon OK solution eza marche te solution eza biso moko nanu tokosilisa likambo ndenge nini gero ekosilaka il faut to solo la to vanda to solo la eloko moka ke sepeli singa elobi ke bon batu nyoso tu toza ligue toza ensemble akoloba bon OK Rwanda za ko agresser biso mais ce n'est pas ça bon moko wana kaka ndena moni yango bien. Mais babilo comme sous l'idéologie place tozo kem tozo comme tozo kende na monique za eza ko pesa biso elo ko mon côté e ko pesa solution te. La seule chose que nous devons faire aujourd'hui c'est que nous pouvons nous mettre ensemble pour que toto luka solution totale effectivement nini ango toki ko sala en interne pour que likambwana to dénoncer ango to koma na ango ti na suka na ango. Nous devons chercher le problème en interne. Ndenge tozali boye, ndenge tovandi boye. Moi je pense que président de la République pour l'instant, joignez-vous avec les amis de l'opposition, bovanda, botala bon. Option militaire egoiko kosilisa likambo goma te. Mais quelle est maintenant la solution? Ce qui option militaire kosilisa te. Mais quelle sera maintenant la solution o ekotoko sala pona tosilisa yango? Ça sera une option diplomatique. Mais est-ce que diplomatie na toko kende pa ya nani? La diplomatie ça sera que bito solo la biso moko na bato baza komilo bakeno baza ba kongole na kati ya M23 wana yangona biso tolobaki awa solution na biso ezali que ma solo e fois ala en interne mais la en interne comment ce ne sera pas le gouvernement de Kinshasa et que ndeko solo la kana likambo ba M23. Il faut que ça soit une solution globale. Et puis ce qui solutionne ça global, vous allez voir que la communauté internationale va nous supporter à Kolobakeno, ba solution au bato baza ko linga ko sala, eza ko inclure ba problème nyoso bango moko ba reconnaître ango ke non. Toza na ba gestion ya mboka na biso. Ba élection na biso tozo koka ko salisa ango te. Autorité à l'état sur toute l'étendue de la République eza maintenu te eza na maboko a mutu te. Le Congo est éparpillé. Alors ba zui décision ke non bango moko ba luka moyen ya solo là ensemble. C'est comme ça que j'ai dit solution na biso a na contact pro life ezali ko décentraliser ba masolo
na kati ya ba territoire, chaque territoire to solo la pona likambo oyo eza likambo oyo fondamental ya mboka na biso. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Botala makambo zo salema na ambassade d'Afrique du Sud awa na Pretoria. Certaines personnes bazwa ko se réclamer que non bazwa ba congolais, mais ba congolais bango moko bakomi ko commencer même ba ambassadeur. Biso moko tozo yebate, c'est ça le problème fondamental que nous devons résoudre. Et nous allons le résoudre comment? Par ba masolo interne. Masolo interne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que biso nyoso tout, tous les Congolais, to solo la likambo yo ya Congo ya sika. C'est comme ça que moi j'ai dit, le président de la République a ben nga batu akolo babandeko. Je crois qu'il est grand temps ya ko silisa ba makambo ya ko sala to luka consensus national, to luka unification ya Congo mobimba na ba masolo ya batu na batu ba totola. Ba loba likambo ya constitution ya sika. O tangu to zo solo la likambo ya constitution ya sika to kene na ba identification ya population. Batu na batu ba banda ko réfléchir sur la constitution ya sika na batu na identification ba population dans chaque territoire. Batu na ba masolo ya constitution et ça les mana chaque territoire. C'est comme ça que nous avons appelé ça les états des lieux de chaque territoire. Ba état des lieux batu na kati ya ba territoire ba kende ko réfléchir sur Congo ya sika, un nouveau Congo. Ça c'est ça notre solution que nous mettons sur table bandeko. Solution na biso ya ngwana biso tolobia, il faut absolument batu nyoso o baza na kati ya Congo to banda ko solola na babilo kwa sika ki va nous ekotindi kabiso ya ko sala identification nanu to se ligue Tshisekedi andima parce que batu nyoso to bazolinga aktika la kana erero ana mais ata muto ya ye na sima na ye ata Tshisekedi lelo akeyi to sali ata ba election ba kle Tshisekedi akeyi il va rencontrer le même problème qui est là. Moi, je crois que les opposants aujourd'hui doivent se mettre en tête que non. Monguna est la communauté internationale. Te. Monguna est la Rwanda. Te. Monguna est la biso mokonde mtutoza komitia na kati ya situation oyo. Un petit pays, bako miko sala biso neti. Eza petit pays, te eza biso moko kaka. C'est nous-mêmes qui nous malmenons. Mettons-nous ensemble pour un nouveau Congo. Nako sili sawana, mais en vous demandant une chose vraiment bandeko. Continuez à vous abonner. Tous ces appels attendent. Tous ceux mon abonnement est belé. Nakoya nakoko expliquer le sous likamboyo. Mais vous avez, je crois, bon moni sikoyo, boyoki position angai sur marche ya lobby. Ah, y a les 11 et salema qui lobby samedi. Moi je ne sais pas. Bon sali marche. On a pourquoi? Réfléchissez encore. Nasepeli kaka keno binonyo surtout bon sali. Bozana bomoko. Bon moni keno nous le pays. Nous avons un problème et agression. Ok, nandimi bomoko anantangu boso bovandi bolobi to kosala likambo moko. Ça c'est ça qui m'a enchanté. Mais l'objectif nga nazana d'accord en ngote parce que ekobote eloko moko te. Alors moi je voudrais que vous profitez na bomoko wana nyoso. Bokende siko e pa mokonzi ya koyebise que non voici le problème. Mais voici que notre proposition ya kosilisa likambo oyo yango oyo. Mais si vous attendez que boza kotindi kaka président de la République tokende na ba élection na ba élection na ba élection ngo ata au komi président okokuta likambo ya M23 alors autant mieux to vanda to silisana na makambo nyoso wana ensemble et puis to tia Congo na nzela ya développement à ce moment-là nous pouvons organiser les élections to silisa to tia na kimia biso nyoso to yoka na to tia kimia. Mais mboka soki tokomi ko dirigeant ngona loma awa en tout cas na moni place to kokendete. Alors je m'arrête là en disant encore merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner et vous si vous êtes là pour la première fois abonnez-vous. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro, portez-vous bien, au revoir.